Bonjour à tous, excellent réveil. Il est 6h en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans les matins d'Isaac, la matinale sur Vitamine F fréquence 2. Un grand bonfait de vous saluer dans le respect mutuel et le respect parallèle. Si vous nous écoutez à Gouablé, il fait la même heure qu'à Abidjan, Gouablé. C'est le village de Thuy, Michael. Les Saki a bien Saki aussi. Voilà. Pourquoi? Tiens. Bon, j'ai dédié l'émission à tous les gendarmeries, comme le dit un gendarme qui est en Dimbokru, qui nous écoute, Mr. Yannick B. Bon, les sponsors Bakon, Amoakon et puis Aswakon. Aujourd'hui, là, c'est colocation. Les affaires, même, elles choquées. Non, vas-y, allons. Il s'appelle Cyril. Cyril, c'est une docker. Il travaille dans les docks, aux portes d'Abidjan, Bessampe, ça dépend. Comme c'est infection, Cyril, il s'est cherché, il est venu de l'intérieur du pays, puis il est venu rester à Abidjan. Hein? Avec les propositions de son camarade Billy. Billy qui a dit que, ah, Cyril, il faut venir à Abidjan, c'est à Abidjan qu'on a vivé le dream. Ivorian dream, là, c'est à Abidjan qu'on a vivé ça. Le rêve ivorian. Donc quand Cyril il est arrivé à Abidjan avec Billy, il a décidé de prendre un grand maison. Un maison, c'est coûté 100 000 francs, un chambre et puis un salon. C'est pas Yokubo, c'est Paméré, il est parti rester. Parce que c'est là-bas, c'est côté Tchèque. Il fait 100 000 francs. C'est le loyer qu'elle a. Donc chacun veut faire 50 000. Et puis il veut payer les maisons. Mais depuis un moment, depuis une situation, Billy, il ne paye plus le loyer. Billy, il s'est caché. Billy, il fait les maisons comme un Toutouland. Comme un coin de, comment on veut dire ça, de Tchoukou-Tchoukouland. Il envoie son femme là-bas, son chéri, il ne paye pas les maisons. Donc actuellement, et puis c'est Siri maintenant qui prend tous les charges de les maisons pour payer les locataires. Pour payer les locataires. Pour payer les trucs, les l'argent de la propriété. Donc, il ne sait pas quelle attitude il veut prendre. Donc, il s'est approché de le bureau, de le docteur, pour son problème sur les tables qui s'est venu ce matin. En fait, c'est l'histoire de Cyril qui vivait à l'intérieur du pays. Oui. Donc, moi, je dis pas merci aussi. Non, mais il a dit merci. Non, j'ai rien capté en fait. Merci. Voilà. Donc, Cyril vivait à l'intérieur du pays. Donc, il se cherche, comme on dit dans le jargon. Donc, il fait les petits boulots par-ci, par-là. Donc, avec Billy, ils ont décidé de prendre une maison ensemble et vivre ici à Abidjan pour mieux se chercher. Donc, le loyer fait 100 000 francs par mois. Ça. Donc, ils ont décidé de partager, on va dire, à part égale, le loyer, 50 000 francs par personne. Donc, chaque fin de mois, chacun paye 50 000 francs. Jusqu'à maintenant, là, où Billy ne paye plus le loyer. Depuis un moment, il ne paye plus le loyer. Il s'en contrefiche. Ce n'est pas son problème. Mais il ne se gêne pas. Il reçoit tout le monde chez lui, dans leur maison, à eux tous deux. Donc, ils reçoivent ses petites amies, voilà, tout le monde. Donc, c'est devenu un lieu de perversion, selon les dires de Billy. De Cyril. Donc, aujourd'hui, il demande à Prissy de lui donner des conseils face à cette situation. D'accord. Situation posée. Toi, Cyril, tu étais au village. Ton âme, tu étais au village, mais tu te débrouillais. Tu avais un peu d'argent, tu avais une activité. Ton ami Billy qui est à Abidjan, il te dit, viens à Abidjan, c'est Abidjan qui est chic. Abidjan, il y a l'argent, Abidjan, il y a ceci, il y a cela. Tu arrives, vous partez prendre une maison à l'arrivée. Comment quelqu'un qui quitte au village, c'est que toi, tu quittes au village, tu viens à Abidjan. C'est-à-dire que tu ne sais même pas d'habiter un peu à PK17, où on paye 15 000. Ou après, tu vas habiter dans la maison où on paye 20 000. Après, 30 000. Et puis, tu vas aller à la Riviera. Toi, du village, directement, tu vas à la Riviera. C'est le rêve. Mais quand tu rêves comme ça, c'est ça. Mais il n'est pas passé par le salon. Il y a quelqu'un à Yopougon déjà, sinon... Non, il y a un stage, cette formation. Faut dormir un peu chez ton nom, on te saute le matin. Réveille-toi, les enfants vont à l'école. Tout ça, ça forme. Et ça fait que demain, quand tu te retrouves à payer, habiter dans une maison de 100 000, tu connais la vie. Mais il fait 50 000 déjà même, c'est ça. Parce que tu connais la vie. D'abord, le cadre, c'est qu'il n'a même pas été tropicalisé. Directement, c'est du village, bah, il se retrouve à la Riviera. Nous-mêmes, on est à Abidjan ici, là. On est à Abidjan ici. Ceux qui habitent Koumassi, même les gens d'arriver arrivent à l'éveil. Après, il faut être quelqu'un qui a quitté directement le village. Et tu viens, ton ami te dit, viens à Abidjan, tu arrives à la Riviera. Vous partez pour une maison 100 000. Ton ami en question, il n'a pas de boulot. Comment quelqu'un qui n'a pas de travail, lui, il va te dire, on n'a qu'à habiter ça, on va payer moitié. Il va enlever l'argent là-haut. Ah, il a dit que Billy dit que son papa, il a envoyé l'argent chaque fois du mois. Mais ça, c'est pas une vie. Un gros garçon poilu comme ça, son papa continue de lui envoyer de l'argent.
Comment toi tu peux décider de faire 50-50 avec quelqu'un qui n'a pas d'activité? C'est-à-dire que lui, c'est son papa, il est sous couvert, son devant derrière bouché. Lui, c'est quelqu'un qui lui donne de l'argent, son père. Un gars comme ça, toi, tu veux investir? Tu veux t'associer à lui? C'est pas moi, on a dit d'être ami, on n'a pas dit d'être mouton. L'amitié, ce n'est pas une prise en charge. Mmh. On dit si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Moi, je ne peux pas marcher avec ma camarade. Et puis tous les jours, c'est moi qui m'a payé placalé au moins. C'est moi qui m'a payé placalé au moins. C'est moi qui m'a payé. Et quand ça soit, elle ouvre ses narines, je n'aime pas que l'on soit la poche. C'est quoi? Elle veut les plots et pèse 12. C'est quoi? C'est 50-50. Si je paye aujourd'hui, demain, elle paye. De toute façon, vous ouvrez vos bouches pour dire qu'en amour, maintenant, là. Maintenant, la femme fait 50, le garçon fait 50. Mais en amitié, ça doit être pareil. Mmh. En amitié, ça doit être pareil. Et toi, tu quittes le village, tu viens, tu es avec le gars. Ok. Premier mois. Donc, quand tu vois même sa façon de vivre, c'est le si tu étais vraiment son ami, là. Le simple fait même de voir qu'il ne fout rien dans sa vie, il est sous couvert de ses parents, tu aurais dû lui dire, ah, attends, un garçon de ton âge, là, franchement, tu ne dois pas continuer à prendre le nom de papa. Mm-hmm. Et puis là, on vit ensemble. C'est-à-dire qu'on a quitté nos familles, on est responsables. Donc, trouve une activité. On veut trouver une activité ensemble qui va nous permettre de continuer à payer la maison. Toi, tu t'assois, tu es venu à Paris, tu es content, pour climatiser tes chicotes. Maintenant, voilà, sa première mois, deuxième mois, troisième, le gars n'arrive plus à payer. Maintenant, toi, maintenant... Il retombe sur ta tête. Toi qui es quitté au village. Mais tu es venu au village pour te chercher là. Et à où que tu as laissé là-bas? Et ta grand-mère Dakia qui t'attend là-bas. Tu fais comment? Parce que c'est ça aussi. Hein. Quand ça. Tu quittes le village pour venir à Abidjan, les parents aussi, ils attendent. C'est comme les bengis. Maintenant, on commence à nettoyer les caméras. Tu sais, on est là, puis on te regarde comme ça. Tu retournes, tu n'as rien. On te tue vite. On te tue par frustration. Tu t'es foutu de. Toi, on te tue. Tu vas retourner au village et quoi? Par frustration. Mais tu as quitté au village, tu es allé à Abidjan. On dit mon fils, sans travail, sans se chercher. Et puis tu n'en vois rien, tu fous rien, tu vis une vie de débauche là-bas. Mais ils vont vite te tuer. Et puis tu es là, tu fous rien. Et le gars ne paye plus la maison. Tu es là, je ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire comment? Carré il y a noir. Deux cas. Soit tu le vides de la maison, soit tu retournes au village. Mais soit qui sait pas. Moi-même, oui. Ou tu changes de quartier. Tu changes de quartier, tu dis, je dis, accrochez vos habits ou vos mains arrivent. Les gars qui font cabine, qui cherchent les MLS. La fille qui fait cabine à côté de toi, tu ne l'as pas vue. Elle est morte. Jennifer. Elle ne s'appelle pas Jennifer. Mamou. Elle fait cabine, comment elle s'appelle Jennifer? Tu ne la vois pas? C'est vous, voulez toujours vivre à un niveau où vous ne pouvez pas. La vie, tu n'es pas encore mort. C'est-à-dire que là où tu es, tu as tes deux bras, tu as tes deux petits bras. Quitte ce gars. Parce qu'un gars, non seulement il n'a rien, il ne fout rien dans la maison, il ne paye pas. Et puis c'est lui qui prend la maison pour faire un club de striptease. Il envoie des filets go, végétus éclatés. Lui, il les envoie. Et puis c'est lui. Mais les pauvres filles n'ont rien à voir. Et puis c'est lui, il mousse. Mais les filles ne savent pas, donc elles n'ont rien à y voir. Non, mais tu sais que ce genre de gars-là. Et qui sait? Dieu seul sait ce qu'il raconte à ces filles-là aussi. Mais justement, c'est ce que j'ai dit. Parce que le gars, lui, il vient du village. Mm-hmm. Donc certainement, il est robuste. Il est bien battu comme ça. Ouais, il est rural, c'est lui qui nettoie la maison, c'est lui qui lave. Donc, certainement que tu vas voir, le gars dit à sa copine, ah non, c'est mon cousin, qui était au village. Je m'occupe de lui. Voilà, et les filles aussi, quand les voir, elles vont venir se faire un genre dans la maison sous couvert. Vous, avoir votre amour, c'est sans domicile, si vous ne savez pas. Donc, il n'a qu'à quitter ce gars-là. Il faut lui parler, tu lui dis, bon, attends, là où on est, là, c'est un championnat. On fait 50-50. Il faut trouver une activité. Moi, je peux me débrouiller, je peux faire le sacrifice. Vu qu'on est amis, il faut quand même préserver l'amitié. Oui. Je peux faire le sacrifice de payer sur 2 mois ou 3 mois, mais à condition que tu trouves une activité. C'est ça. Une activité où tu vas avoir de l'argent, puis on va continuer. S'il ne veut pas, là, sors de là. Oui. Bouge-le. Ou bien faire le sortir. Posez la question à vos amis qui sont allés en France ou dans d'autres pays, retrouver d'autres Ivoiriens. Après, le retour qu'on a, c'est qu'il m'a chassé de chez lui. Mais qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais quoi? Tu contribuais comment? Toi, tu dors pour t'arrêter là, tout le temps pour faire snap pour nous envoyer. Pendant que toi, ton camarade, là, il couche des bébés. Bon. Il y a un parole d'économie qui dit que le salaire ne peut pas dépasser, l'argent du loyer ne peut pas dépasser ce que tu gagnes comme l'argent. C'est comme ça. Même pas les moitiés. Ton ami te blague pour te dire quitte le village, viens à Abidjan. Mais lui-même, il a quelle situation? Quoi, il est rural, c'est un Nader ou bien? Oui, il est rural. Ton ami m'a en question. Il a quelle situation? C'est pareil, je profite de l'occasion, Isaac, c'est pareil pour ceux qui sont en France. Ton ami en France, il t'appelle, oh, il y a tout fini, et puis là, c'est bien. Abidjan, t'as rien. Abidjan, y'a rien. Tu donnes là-bas ton ami, il fait quoi? Tu prends 3 millions pour partir. Tu prends 3 millions, 5 millions, 6 millions. Tu t'as trouvé ton ami habite dans une boîte d'allumettes. Chez quelqu'un. Il habite dans un grumier.
Dans on l'a en fait d'une vacation. C'est dit, prophétaire dort matin, vous venez dormir le soir. On les appelle les marchands de sommeil. Ouais. C'est quoi ça? C'est compliqué. Le bonheur, il est partout. Hein. Au pire, tu retournes au village, tu continues ta vie. Mais je suis les quartiers prêts. Merci. Il y a les quartiers 25 000, 15 000. Les quartiers 15 000, 25 000, partent à la. Les gens des rivières, mais ils ne supportent plus. Eux, mettre ils sont là-bas, là, ça ne va plus. Ils veulent déménager. Ça ne va pas à la gadou. Beaucoup ont quitté Cocody. Ils sont rentrés dans la maison, mais tu viens pour rentrer dans le studio de la rivière. Tu passes comme ça. Mais habit est rempli. Bon. Comment dit ça? Rivera Palmera, c'est chaud. C'est chaud. Ils sont jolis dans photos, selon la vie est belle dans les photos. Ouais. Le reste, c'est la gadou. Cocody centre, c'était un. Elle a soupié, mais c'est grand. Route de rive de trois jours. Sans bon, d'araignée. Ça va, tu l'as dit, tu l'as dit. On a un foyer de jeunes. Au foyer des jeunes. Chez les parents, c'est le foyer des jeunes. La suite et la fin de Carré Noir. Bon. Pourquoi il veut manger de pêche. Je n'ai pas remarqué les gens de pêche. Non, pêche comme ça. Les pains dans les couloirs, les carrefours. Dans toutes les avenues de Cocody, il y a les vendeurs de pain brochette. Pain brochette, et les gens, ils vont honte là. Ils vivent au-dessus de leurs moyens. Donc maintenant, les pêches, ils ont WhatsApp. Les gars à la maison, ils commandent. Les pêches, fréquence 2, deux jours comme deux nuits.